Et bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo qui sera consacrée au Datacron. Donc le but, ça va être de faire un guide assez complet sur les basiques, comment comprendre comment fonctionnent les Datacron. Et dans un second temps, le but sera de vous aider à les farm, donc de faire en quelque sorte un guide de farm pour optimiser votre farm, ne pas trop dépenser pour essayer d'obtenir ce que vous voulez. Sachant qu'en général, on cherche quelque chose de précis. Donc, on va se tourner vers le jeu et on va regarder donc les datacrons. On va commencer par les basiques. Donc, je peux vous présenter les miens. Ce sont mes datacrons du mois 1. Ce sont mes datacrons du mois 2 où j'en ai beaucoup plus. Et donc le mois 3 qui vient à peine d'arriver, pour lequel évidemment je n'ai encore pas grand chose. Donc essayons de décortiquer un datacron. Déjà, sachez que pour équiper un datacron, il va y avoir un niveau de relique minimum. Il va y avoir un niveau de relique qui sera le R3. Si un de vos personnages dans l'équipe n'est pas R3, vous ne pourrez pas équiper de datacron. Si j'ai envie, par exemple, de l'utiliser, si j'ai envie de mettre, bon, ça c'est des vieilles équipes, mais si j'avais envie de mettre un datacron sur cette équipe là. Sur cette équipe Talzin qui servait sur la P3 du cab, je ne pourrais pas, étant donné que tous les personnages ne sont pas R3, notamment Mère Talzin qui est G12. Sur cette team-là, je pourrais cependant, étant donné que tous les personnages sont R3. Donc ça, c'est une base. Il faut que tous les personnages soient R3 pour équiper un Datacron. Et si on se penche de plus près sur les statistiques d'un Datacron, regardons celui-là qui est encore méta pour un mois, donc le Datacron Stun. Donc, on va distinguer deux types de bonus. Il y a donc des statistiques bonus que l'on va trouver sur le niveau 1, le niveau 2, le niveau 4, le niveau 5, le niveau 7 et le niveau 8. Et on va avoir des capacités bonus qui s'appliquent donc au niveau 3, au niveau 6 et au niveau 9. Pour les capacités bonus, donc on a vu niveau 3, 6, 9, elles vous demanderont un alignement précis. C'est-à-dire que sur le niveau 3, donc il y aura un choix à faire entre le light side ou le dark side. Et donc cette capacité ne sera applicable à l'équipe que si le personnage est du côté donc ciblé, lumineux ou obscur. Niveau 6, ça se précise, donc c'est un alignement de factions. Là, en l'occurrence, c'est un alignement à la République Galactique. Si je place, par exemple, un membre Jedi qui n'est pas de la République Galactique, il ne bénéficiera donc logiquement pas de cette capacité. Et enfin, le niveau 9 cible un personnage très précis, qui est donc, en l'occurrence, le général Kenobi. Et pour pouvoir équiper cette capacité, pour pouvoir lui faire bénéficier de sa capacité, il faudra qu'il soit R7. Donc R7 au minimum pour profiter du niveau 9. Pour le niveau 6, il faut être R5 minimum. Et pour les statistiques qui s'appliquent à côté, c'est légèrement différent. Donc si vous êtes R3, que vous ayez l'alignement ou non demandé, donc imaginons que j'équipe ce Datacron sur une équipe Darkseid, si mes personnages sont R3, ils bénéficieront tout de même. Donc des 3,35 et 3,97 en stats bonus, on parle là donc de stats, ils en bénéficieront même s'ils sont Darkseid, mais s'ils sont R5, ils bénéficieront également donc de cette statistique-là, de cette stat-là, de cette stat-là, de cette stat-là.
Si je prends un exemple, on va plutôt partir sur le traité, enfin sur le codex de NAS. Si vous regardez bien, j'ai deux datacrons pour CLS. J'en ai un, j'en ai un qui est plutôt offensif et versatile sur celui-là. Donc avec l'augmentation de turn meter en début de match, nous avons une petite réduction de TM, même si j'aurais préféré autre chose comme la riposte par exemple. Je pourrais encore essayer de reroll, mais bon, ça coûte très cher. Et j'en ai un autre qui est vraiment voué à contrer casse, avec un dispel niveau 3 et une augmentation de jauge de tour, récupération de santé protection niveau 6. Donc, en l'occurrence, sur une TW ou sur une GAC, je n'aurais besoin que d'un des deux. Je ne peux pas mettre deux datacrons sur un personnage. C'est évident. Donc, si j'envoie une armure, une équipe j'ai déjà envoyé mon CLS, donc c'est bon, c'est fait. Il me reste un datacron en rab. Imaginons que ce soit celui-là. Si une équipe a besoin de pénétration d'armure, de dégâts critiques et de potency, ben je n'hésiterai pas à équiper ce datacron, même si l'équipe est Darkseid. Vu que sur le Darkseid, il nous manque encore beaucoup de datacrons. Donc une équipe qui a besoin de beaucoup de DPS, mais ça pourrait être DR notamment, qui pourrait avoir besoin de DPS. Ou par exemple, la pénétration d'armure s'applique sur Psi, donc ça pourrait servir à un petit Psi. Voilà. Donc, si cette équipe était lumineuse, elle bénéficierait quand même du niveau 3. Le niveau 6 serait appliqué uniquement aux rebelles. Donc, le niveau 9 serait appliqué uniquement aux Jedi. Sur les statistiques, je veux prendre mon temps pour parler de quelque chose qui est super important, qui est très peu connu. Et encore une fois, je remercierai ô combien mon sensei Val qui m'avait tout appris il y a de ça quelques temps. Sur les statistiques bonus que vous pouvez avoir, donc sur le codex Tenace notamment, il est parlé de dégâts physiques, dégâts spéciaux, pénétration d'armure, pénétration de résistance. Et sur le nouveau set, il y a aussi de la résistance et de l'armure que vous pouvez avoir en stat bonus. Et c'est très important de faire le distinguo entre les deux, étant donné que beaucoup de personnes ne savent pas à quoi ça correspond. Pour beaucoup, et moi aussi il y a quelque temps de ça, dégâts physiques étaient égaux à dégâts infligés sur une basique et dégâts spéciaux sur une attaque spéciale, ce qui pourrait être tout à fait cohérent, mais non, ce n'est pas le cas. En l'occurrence, sur les personnages, il est écrit noir sur blanc s'ils attaquent avec des capacités basiques ou s'ils attaquent avec des capacités spéciales. Et je pense que mon jeu va crash, mais pas encore. On a encore un petit peu de temps devant nous. Un très bon exemple, c'est les Jedi. Généralement, vous avez une team avec JKL et une team avec Yoda. On va dire qu'on est en 3v3. On est en 3v3, vous avez un Revan avec Yoda et vous avez un JKL que vous pouvez utiliser en lead, notamment avec Shakti ou Yoda Hermite. Bref, passons. JKL est un personnage qui inflige donc des attaques basiques. Donc c'est marqué noir sur blanc. Inflige des dégâts physiques. Il inflige des dégâts physiques que j'ai ici. Et là, il y a beau avoir marqué spécial, il faut lire vraiment la capacité où il y a marqué inflige des dégâts physiques. Et si je vais là, il dit qu'il inflige aussi des dégâts physiques, donc 3 fois à un GL. Donc passons. Donc, si je prends ces statistiques, JKL, qu'est-ce que j'ai besoin d'augmenter sur lui? Est-ce que j'ai besoin d'augmenter ses attaques spéciales? Non, étant donné qu'il n'a pas de dégâts spéciaux sur son kit. Il n'a que des attaques physiques. Et donc pour lui, les valeurs qu'on va souhaiter augmenter, ça va être l'attaque physique, la pénétration d'armure. Pourquoi la pénétration d'armure? Qu'est-ce que c'est que la différence entre l'armure et la résistance? L'armure, c'est une réduction DA, de dégâts reçus par les capacités infligeant des dégâts physiques. Quand JKL attaque, le personnage en face aura une réduction de dégâts en fonction de son armure. Donc, ce que j'ai intérêt d'avoir sur JKL, c'est donc des dégâts physiques. Ça va être de la pénétration d'armure pour ne pas être soumise à ça. Et inversement, donc un personnage comme Yoda, on va aller sur Yoda. Où es-tu? Où es-tu, brave Yoda? Tu es là. Yoda a inversement inflige des dégâts spéciaux. Et dégâts spéciaux, c'est encore écrit ici. Et si je vais là, il inflige encore des dégâts spéciaux. Donc sur lui, j'aurais plus tendance à chercher
Donc, que ce soit des attaques, donc non pas des attaques physiques, mais j'aurais tendance à chercher du dégât en attaque spéciale, mais également de la pénétration de résistance. Car la résistance, donc c'est le pendant de l'armure, mais pour les dégâts spéciaux. Réduire les dégâts reçus par les capacités infligeant des dégâts spéciaux. Et donc, on peut voir notamment deux exemples pour dans mes datacrons. Si je vais sur le set de mon JKL, donc on va sur Codex Tenace, sur mon JKL, qu'est-ce que j'ai essayé d'avoir? Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé d'avoir de la pénétration d'armure, étant donné qu'il inflige donc des attaques physiques, des dégâts critiques, donc ça s'applique que ce soit des attaques physiques ou des attaques spéciales. Et voilà, du coup, je m'en suis très bien tiré. Là, j'ai un datacron qui est merveilleux avec dégâts critiques, même si c'est des valeurs minimum, même si elles ne sont pas très élevées, c'est quand même très cohérent avec son kit. Donc, je suis très content vraiment d'avoir ça. Et à contrario, donc j'ai fait un datacron pour qui était voué du coup à plutôt à mon ami Yoda, où j'étais allé chercher de la pénétration de résistance. Pénétration de résistance, pénétration de résistance, dégâts critiques, dégâts critiques, dégâts critiques. Le set est cohérent pour aller avec Yoda. Et donc les deux sets sont distincts. Ça, c'était vraiment très important. Inversement, donc là actuellement nous avons donc le nous avons les sets qui sont tombés qui fonctionnent avec les Sith avec Mando, donc avec les Mandaloriens ou avec les Sœurs de la Nuit. En l'occurrence, personnellement, mes niveaux de gear ne sont pas suffisants sur mes Mandaloriens ou sur donc mes Sœurs de la Nuit. Donc, ce que je vais chercher, c'est du Sith. Et quelle valeur je vais chercher? Mais les Sith, en général, ils ont besoin de tanker. Ils ont besoin de tanker, du coup, je vais plutôt aller chercher de l'armure et de la résistance. Là, les deux sont bons à prendre, étant donné que je ne sais pas par quoi je vais me faire attaquer. Bon, vous pouvez prédire quelque peu. Par exemple, on peut prédire que si je place un Malgus en défense, les gens tenteront de passer avec Gas. Et Gas, sur son flic, sur son kit, ben, on peut aller vérifier en direct. De mémoire, je crois qu'il inflige des attaques physiques. Mais j'ai un doute, vais-je donc passer pour une andouille en vidéo? Gas, suspense, roulement de tambour, est-ce que je l'aurais pas passé? Où es-tu, Gas? Tu es là. Gas inflige donc des dégâts physiques. Un des hard counters de Malgus, pas très viable mais très utilisé, étant Gas, je vais donc chercher à avoir des bonus d'armure sur mon Malgus pour pouvoir le résister. Sachant qu'une équipe Malgus, avec sa spé, donc avec sa spé 2, il inflige des dégâts en pourcentage de sa santé. Donc le dégât viendra de ça, principalement. Et je pense que j'aurais plutôt intérêt, si je veux des attaquerons versatiles sur mes sites, mes sites ont plutôt besoin de survivance. Que ce soit si on a besoin qu'il survive le temps qu'il entre en ulti, que ce soit le Trium, on a besoin que ça survive le temps d'aller chercher l'Annihilate. Ou Malgus, encore là, on pourrait avoir un petit peu plus de DPS, mais moi j'aime bien le fait que ça tanque plutôt pour cette équipe. Contrario à d'autres équipes comme Gas, où on va plutôt chercher du DPS. Donc voilà ma façon de voir les choses. Ces datacrons, alors j'espère avoir été assez explicite pour vous expliquer comment ils fonctionnent. Maintenant, on va parler de farm. En général, quand on voit un datacron comme celui-ci pour les Inquisiteurs, on cible quelque chose de précis. Personnellement, je voulais la diminution des délais sur le niveau 3. Je voulais donc le stun sur le niveau 6 et évidemment le tour bonus sur le niveau 9. Mais tout ça, c'est très difficile à avoir. Il faut vraiment être très chanceux. Alors, autant sur les 7-1, j'ai été chanceux, autant sur les 7 du Codex Tenace, ça a été l'horreur. Si vous regardez, bah, j'ai pas eu le CLS que je voulais, du coup, j'en ai fait deux. JML, je m'en sors bien. JK, je m'en sors bien. Matmotma, j'ai pas eu celle que je voulais. Et ça, c'était juste parce que j'ai fait un misclick. Mais après, j'ai plein de niveau 6. En fait, c'est donc des datacrons que j'ai tenté. Et je suis pas allé plus loin, étant donné que je réussissais pas à avoir les stats que je voulais. J'entends par là. Mais le set Codex Tenace est un très bon exemple. Donc, on va prendre un datacron qui est méta. On va prendre lui. On sait directement ce qu'on veut. On sait qu'on veut les 25% de jauge de tour. On sait qu'on veut donc la riposte niveau 6. Et on sait qu'on veut les tours bonus niveau 9.
Vous pouvez voir que je l'ai pas trop reroll. Je peux encore essayer de reroll, par exemple, ça, je pourrais essayer de le reroll, tiens, ça pourrait être pas bête. Je le ferai un peu plus tard. La pénétration de résistance, ouais, je pourrais le reroll. Mais donc, comment farmer pour éviter d'avoir plein de datacrons qui ne vous servent à rien? Mais le but du jeu, pour moi, la méthodologie, donc, c'est que reroll des datacrons, ça coûte très cher. Et donc, on va éviter de le faire au maximum. Montez un datacron niveau 3 et regardez si vous avez la stat que vous ciblez. Par exemple, là, sur ce set-là, donc Codex Tenace, les 25% de TM sont énormes, monstrueux. Personnellement, j'en ai 9 ou 10 des 25% de TM. Parce que vous pouvez l'appliquer à plein de teams différentes et que c'est vraiment déterminant ces 25% de TM. Donc, mon conseil, c'est monter niveau 3. Est-ce que vous avez réussi à atteindre la stat que vous voulez? Non. Eh bien, si vous n'avez pas la stat que vous voulez, je vous conseille d'éviter. Si vous ciblez vraiment en niveau 9, évitez de reroll dès maintenant. Partez plutôt sur un nouveau datacron. Les premiers hubs de datacron coûtent pas grand-chose, alors que derrière, ça commence directement à se corser. Que ce soit en monnaie, donc qui vous manquera toujours, mais aussi pour les composants. Les composants les plus rares qui vous feront le plus défaut seront ceux-là. Seront ceux-là, mais également et surtout les matériaux de reroll. Donc, partez sur un datacron niveau 3. Est-ce que vous avez la stat que vous voulez? Non. Dans ce cas-là, refaites-en un nouveau. Vous en faites un nouveau, vous arrivez au niveau 3. Est-ce que vous avez la stat que vous voulez? Si oui, vous l'avez eu, vous pouvez continuer. Si vous ne l'avez pas eu, enfin, vous pouvez continuer, vous montez jusqu'au niveau 6. Excusez-moi. Niveau 6. Donc, là, est-ce que vous avez eu la faction que vous voulez? Et j'insiste sur le fait que vous devez uniquement cibler une faction et pas une capacité précise. Cibler une faction, si vous avez votre faction, vous continuez votre datacron. Le personnage, là, en l'occurrence, on sait que c'est un rebelle. Donc peu importe, si cette capacité ne me plaît pas au moment où je la drop, j'ai déjà le niveau 3 qui est bon, j'ai la faction que je veux. Je pourrais toujours tenter des rerolls un peu plus tard. Donc je monte mon datacron niveau 9. Là, niveau 9, soit vous avez ce que vous voulez, soit vous ne l'avez pas. Et dans ce cas-là, là, vous pouvez commencer à reroll. Étant donné que les niveaux 9, surtout sur les 7-1 et sur les 7-2, donc Codex Tenace, c'est le premier qu'on avait eu, sont vraiment très très forts. Et donc c'est vraiment cette capacité-là qu'on va tenter de reroll pour obtenir ce qu'on veut. Si le niveau 6 était plus puissant, enfin déjà il faut obtenir le personnage qu'on veut, donc faites des rerolls pour obtenir le personnage que vous voulez. Et si vous l'obtenez, tant mieux. Regardez quand même s'il n'y a pas des trucs sympas qui peuvent proc, même si ce n'est pas ce que vous ciblez. Par exemple, moi j'avais eu le meilleur de Manmatma sur mon CLS, et je ne l'ai pas pris. Et c'est dommage, j'aurais dû le prendre étant donné que je n'ai pas eu celui que je voulais pour CLS non plus. Double dommage. Mais donc, faites des rerolls niveau 9. Et je vous conseille de vous acharner à plus de 80. Donc ce composant-là, il coûte vraiment très très cher. Si je vais en boutique, ben tiens d'ailleurs, il est disponible nulle part. Bon, j'ai déjà probablement dû les prendre. C'est fou ça, je pensais. Non, non, il n'y en a pas. Bon, on peut aller regarder combien ça coûte sur les nouveaux composants. Mais donc les niveaux 9 coûtent très cher. Faites les rerolls une fois que vous arrivez au niveau 9. Et donc, comme ça, si vous appliquez cette méthodologie, les rerolls niveau 9, les deux premiers ne vous coûteront que 20, les deux suivants ne vous coûteront que 40, et enfin, vous partez à 80 le reroll. Donc, on va sur la boutique de Datacron, et si je prends ce matériau-là, donc le. On va prendre le pendant. Le pendant, c'est ça. Ça vous coûte 600 cristaux pour seulement 25 de reroll. Je trouve ça très très cher. Donc c'est pour ça, ça sert à rien de reroll dès le niveau 3 pour moi. Il faut vraiment attendre soit le niveau 6 pour essayer d'avoir la faction que vous souhaitez pour le personnage ciblé, soit vraiment d'atteindre le niveau 9. Mais inutile, enfin si vous consommez tous vos. Si vous consommez trop de matériaux de reroll trop tôt, reroll un niveau 9 vous coûtera beaucoup trop cher. Et dans ce cas-là, il vaut mieux, ben comme pour mon CLS, ben il vaut mieux recommencer de zéro
un datacron plutôt que de s'acharner pour avoir le bon. Là, si on regarde, alors là, c'est lequel? Donc là, c'est le moins pire des deux, mais le datacron anti-stun. Si maintenant je voudrais reroll, ça me coûterait 80 et 800K de monnaie, ce qui est vraiment énorme. Une fois que. Et donc, une fois et seulement que vous avez vraiment obtenu le personnage que vous voulez, que vous avez obtenu les capacités que vous voulez, mais une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous pourrez faire du qualitatif. Et si ça vous coûte pas plus de 40, mais surtout sur les derniers niveaux où les stats sont importantes. Là, si j'avais eu un pénétration de résistance qui ne me sert à rien sur JKL, je l'aurais switch. J'aurais utilisé un reroll étant donné qu'il m'aurait coûté que 40 pour tenter ben justement d'avoir de la pénétration d'armure ou des dégâts physiques. Je l'aurais tenté à ce moment-là pour obtenir vraiment quelque chose de parfait. Mais là, c'est vraiment si vous ciblez la perfection. Personnellement, si je peux, je le fais. Ça me dérange pas d'utiliser des matériaux de reroll pour essayer d'avoir la stat parfaite. Et là, vous pouvez le voir sur tous les tests que j'ai fait. En l'occurrence, je crois être le premier à avoir fait le JKR/JKL sur JMK. Ça passait sur JML. Enfin, je l'ai fait un peu sur tous les JL. Et c'est vraiment très satisfaisant d'envoyer ce brave JKL. Bref, maintenant, comment bien utiliser la boutique? Quels conseils je donnerais pour la boutique? Eh bien, on va le voir, étant donné qu'il y a un nouveau set qui approque. Donc, ne pas acheter les datacrons ici. Étant donné que je trouve ça vraiment très cher, que ce soit les 4000 ou les 100K de cette monnaie, c'est vraiment trop cher. Jouez votre conquête et jouez le niveau 1 de la conquête pour faire outfit. Et sur le niveau 1, vous en allez avoir vraiment énormément qui vont proc. Une deuxième chose qui est très importante, vous serez, si jamais vous tentez des niveaux 9, cette monnaie-là va toujours vous manquer. Donc, quand c'est achetable avec ces composants-là, je vous conseille vraiment de la prendre. Et d'ailleurs, tiens, ces matériaux de reroll, je vais aussi les prendre. En termes généraux, tout ce qui était avec les matériaux que je viens d'utiliser, donc est-ce que j'en ai encore? Est-ce que j'en ai encore? Non, il n'y en a plus. Mais tout ce qui demande de la monnaie de boutique d'éclat, je vous conseille de le prendre. Je trouve ça pas très cher. Et par contre, cette fameuse monnaie, je trouve très cher ce qu'il propose avec. Utilisez 50K pour ça. Si vous voulez vraiment optimiser, mais par exemple, moi sur BlueStack, j'ai le cliqueur automatique. Donc, cliqueur automatique qui va ouvrir mes packs les uns après les autres. Je suis au boulot, je lance ça et ça va me dépenser 300, 400K de cette monnaie. Et ça va les convertir du coup en éclats de personnage. Si vous ne savez pas ce que c'est, faites une recherche sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo il y a très très longtemps sur le cliqueur automatique. Donc pour dépenser toute votre monnaie. Une autre option, c'est de payer pour avoir le hotbot. Et donc le hotbot vous ouvrira automatiquement tous vos packs bronzium. Donc on parle bien de ces packs-là. Tous les packs bronzium, le hotbot peut vous l'ouvrir. Mais cliqueur automatique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cliquer en boucle. Vous mettez deux clics, un clic ici, un clic là. Il va cliquer en boucle entre les deux. Et ça va faire que vous ouvrir des packs. C'est comme si je m'acharnais sur ma souris, vous l'entendez peut-être. Je m'acharne à la souris pour ouvrir les packs. Ça va vous faire ça en quelque sorte. Donc le cliqueur automatique, c'est quand même pratique. Ça va vous les convertir en éclats. Et du coup, ces fameux éclats vous permettront donc d'obtenir, enfin de pouvoir acheter des composants en boutique. Mince. Pourquoi je ne retourne pas sur la boutique? Donc la boutique. Utilisez tout ce qui est à base de monnaie de boutique d'éclat. Ça, vraiment, c'est pas très cher, sauf peut-être les datacrons complets qui, eux, sont vraiment très très chers, je trouve. Ne pas utiliser cette monnaie-là, bon, là encore 10K, ce serait logique, enfin, ça pourrait se faire. Et après, si jamais vous pouvez vous le permettre, mais les cristaux, moi, je les utilise déjà sur la monnaie, vu que la monnaie, il nous en manque constamment, et donc pour ça je suis prêt à le faire. Mais aussi si je veux appliquer ma stratégie et donc éviter de me retrouver avec des datacrons qui sont moyens, donc maintenant j'ai pris le pli, j'adopte cette stratégie, je vais niveau 3, est-ce que j'ai ce que je veux? Non, je n'ai pas ce que je veux, du coup je vais en retenter un nouveau. À la limite je fais un reroll, peut-être deux rerolls max, mais j'irai pas au-dessus sur un niveau 3, sinon ça vous coûtera trop cher après. Donc, pour pouvoir appliquer cette stratégie, ben, ce que je vais faire,
je vais pas hésiter à utiliser des cristaux pour acheter ça, sachant que c'est pas très cher. Par exemple, là, avec 125, je peux en avoir 25. Comparé aux autres, c'est relativement peu cher, je trouve. Là, 750, j'en ai 150, ça me permet de tenter quand même pas mal de niveau 3. Mais pour aller niveau 3, il me faut donc 80, je crois, de cette monnaie-là. Du coup, ça me permettait presque d'en tenter 2 au niveau 3, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et au pire, vous les revendez, ce qui vous refait de la monnaie derrière. Voilà donc, après, le meilleur moyen pour obtenir tous ces composants, c'est évidemment de jouer sa conquête à fond. Regardez des streamers qui vous font des super contenus sur la conquête. Mais on va parler notamment, on va parler de, alors de d'InGame, qui est sur YouTube. Comment il s'appelle sur YouTube? J'ai oublié. C'est non, c'est pas The Playbook. Bon, ils en font tous un petit peu. The Playbook en fait, Pepito en fait, des tutos conquête. Donc n'hésitez pas à regarder ces tutos-là. Personnellement, ça m'embêterait de vous faire un tuto pour une activité de type PVE. Je préfère rester focus PVP. Mais donc ne négligez pas vos conquêtes et sur tous les secteurs, à la fin du secteur, vous pourrez farm les datacrons, donc c'est super important de le faire. C'est vraiment le meilleur moyen, ils ont vraiment significativement augmenté le taux de drop. Donc c'est vraiment un bon moyen d'en choper un maximum. Et après, personnellement, de temps en temps, il y a des packs à 25 euros. Et je vous avoue que sur les 7-1 et 7-2, je les ai pris, étant donné que les 7 étaient monstrueux. Pour les 7-3, je trouve que pour ce 7-là, les datacrons sont beaucoup moins monstrueux, me font moins rêver, les capacités niveau 9 sont pas terribles, les capacités niveau 6 sont pas non plus super folles. Donc j'investirai moins sur ce set-là que sur les deux premiers. Sachez aussi, petite dernière info pour cette vidéo, comprendre les datacrons. Dernière info, un datacron, donc il vous servira pendant 3 mois, ça je pense que vous le savez déjà. Donc ce datacron-là qui vient, pop, pop, pop. Au revoir Facebook. Donc ce datacron-là qui vient d'arriver va me servir pour ce mois-là, pour le mois d'après et encore pour le mois suivant. Donc il va me servir 3 mois. Et au bout de 3 mois, il sera automatiquement démantelé. Et cette monnaie-là me serviront pour, là en l'occurrence c'est le datacron du mois 3. Du coup, ces matériaux-là me serviront pour les datacrons du mois 6. Au même titre que donc les matériaux qui sont effectifs sur le mois 1, on va aller sur le traité Inquisitorius. J'ai peur de faire une bêtise. Non, si je fais ça, je peux pas cliquer dessus. Alors, on fait pas de bêtises. Dans 1 mois, je récupérerai tous ces matériaux-là. Ils pourront être réutilisables sur les 7 du mois prochain. Donc les 7 du mois 1 seront utilisables pour le 7 du mois 4. Et je viens de perdre BlueStack quand je suis surdémantelé. Et ça ne me plaît pas beaucoup. On ne dit pas merci à Facebook pour avoir fait tout planter. Bref, cette vidéo touche à son terme. Ah tiens, j'ai réussi à retourner en arrière. Donc, si j'en ai beaucoup, c'est pour ça que je trouvais ça important de bien farm sur les premiers mois, étant donné que si je fais cet investissement maintenant, ben, cet investissement me servira forcément pour le mois 4. Donc, ce n'est pas perdu, mais ça me servira pour le mois 4 et ça me servira encore 3 mois après quand on arrivera au mois 7 et encore 3 mois après quand on arrivera au mois 10. Donc, tous ces composants-là, ce ne sont pas de la perte, c'est un investissement sur le long terme, contrairement à ce qu'on peut voir sur beaucoup de Discord. Bref, j'espère que cette vidéo aura été constructive, qu'elle vous aura servi. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous YouTube, à très vite.